Vous pouvez d'ores et déjà qualifier votre talent préféré pour la demi-finale et garantir sa participation à la tournée en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80 et le résultat de vos votes, vous le connaîtrez dans moins de 30 minutes. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, premier talent en compétition ce soir, Nuno Rezende. Nuno, sa prestation de samedi dernier a été exceptionnelle. Et là, le public le choisit. Nuno Rezende. Quand il dit mon nom, là, je me suis dit, mais c'est énorme. Music was my first love. Ce soir, je vais tenter de mériter ma place pour la tournée avec Music de John Miles. Le texte de cette chanson raconte exactement ce qu'on peut ressentir quand la musique devient le centre de votre vie. Pour moi, c'est une chanson qui représente quelque chose de très intime. C'est une déclaration d'amour à la musique. Qu'est-ce que tu chantes bien? La note tenue, c'est super. Ouais. Tout doux comme ça, humblement, mais tout le long, tu vois. Ça, c'est des petits points que tu marques parce que c'est impressionnant. Nuno, il est surdoué. Il a toujours été un peu dans l'ombre depuis 20 ans. Là, il rentre dans la lumière. Ça sent un peu le début de la revanche, quoi, quelque part. Cette chanson est tellement proche de moi que ce serait très fort d'accéder à cette tournée au travers de ce texte et de cette belle mélodie. Ce serait vraiment une vraie récompense. Music was my first love, and it will be my last. The music of the future, the music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, music of the past. Et ça commence très fort avec Nuno Rezende. Pour le qualifier en demi-finale, envoyez le 1 par SMS, 72 500, par téléphone 39 80. Venez avec nous sur Terre. Well done. Merci beaucoup, merci. Florent Pagny.
C'est indéniable, on a vu dans votre regard, lors de la réalisation de son, pendant sa chanson, beaucoup de joie, de fierté. Écoute, c'est un magnifique gladiateur. C'est le plus dur, c'est de démarrer un show comme celui-ci. Et lui, bon, c'est vrai qu'il a choisi la belle chanson pour l'ouverture. Et il y va, mais vraiment sans complexe, sans rien. Et tout est beau, tout est précis, tout est juste, tout est impeccable. Tu es un grand, grand, grand chanteur. Ça, c'est du compliment. Pourtant, il doute. Est-ce qu'il a le mental? C'est un artiste oui. qui n'arrive jamais devant le fait accompli. Non, mais lui, il a plus que le mental. C'est vrai que c'est peut-être celui qui a le plus de métier dans toute cette aventure. Mais il n'en fait pas plus, il n'en fait pas trop, et il calibre bien, il dose bien, comme j'aime. Donc, mais il sait, on en parle, et il sait bien le faire. Tu es magnifique. Merci, Florent. Merci, Florent Panigaro. La technique vocale suffit-elle pour être The Voice? Nuno a une technique, il a une voix de tête incomparable. La puissance de ta voix de tête est vraiment, elle est pas non seulement rare, elle est incomparable. Et tu as démarré la chanson, tes basses étaient dignes de vraiment, tu étais digne de la chanson. Et j'aimerais dire bravo aux musiciens parce qu'ils étaient dignes d'un orchestre Olivier symphonique. C'est pas facile à jouer autant que c'est pas facile à chanter. Juste 10 secondes, c'est quoi une voix de tête pour ceux qui ne le savent pas? C'est quoi une voix de tête? C'est le mix de J'aimerais ça qu'il m'explique en fait. Ça c'est le résultat, mais techniquement. Mais lui, il arrive à faire ce qu'on appelle le mixte, c'est-à-dire il passe de sa voix de gorge à la voix de tête sans aucun problème. Sans se forcer. Et avec la même puissance. Avec une puissance, ça coupe pareil. Comme ça. Non, c'est Stradivarius. Allez-y, bravo, monsieur Stradivarius. Bonne chance pour vous, nous dans la zone. On vous attend dans la déroube avec la charmante Karine Ferry. Et effectivement, tous les téléspectateurs, les internautes qui ont beaucoup de questions à vous poser via Facebook, Twitter, via les réseaux sociaux. À tout à l'heure pour les résultats. Ça va, Karine? Ça va, et vous?